Sylvie numéro 16. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'un meurtre, mais auditif? Moi, oui. Le kid y est mort dans Barn Rouge. Pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, je me suis mis à ramper furtivement au travers de Starry. Et puis quand j'ai aperçu le tueur à gages, j'ai été pas mal surpris de voir qu'il avait une chemise bleue. J'ai pris ma violence en main, puis je l'ai expulsé. J'ai remarqué que on avait des espions au nord qui nous regardaient de loin. J'avais pas grand-chose pour me défendre. Alors j'ai demandé à Julien un bel échange, tout en règle. Il m'a droppé son M40, je l'ai pris, puis j'ai fait ce qu'il avait à faire. J'ai voulu aller continuer mon enquête en allant regarder c'est qui était mort là-bas. Et puis là, j'entends des tirs. C'est qui est rentré dans ma maison. Puis c'est pas vrai qu'il va coucher dans le même lit que moi. Fait que je suis allé déposer une grosse boîte à caresses. Je suis allé crier à Kate pour qu'il se bouge. On est parti un peu plus loin. Et puis j'ai appuyé mon pouce sur le détonateur. Mais le plus surprenant, c'était pas la bombe. C'était plutôt la personne qui me parlait à l'instant. I'm friendly, dude. Okay, I'm leaving. J'ai répété, va-t'en à 1 ou 2 kilomètres. Fait qu'on est parti dans le sud se recacher un peu plus loin. Je le savais que ce gars-là était menteur. Fait qu'on s'est mis à l'espionner. Et quand j'ai vu qu'il prenait une position de sniper, je me suis dit, non. Il m'en passera pas une. D'après moi, il pensait qu'on était resté là. Et non! Une fois en haut, je l'ai vu, couché à terre sur le ventre. Il était en train de nous espionner. Notre ami Dubardo a donné une information qui méritait d'être entendue. Écoutez-moi ce son-là. C'est quoi ça? Ça, c'est un beau Hural jaune. Fait que j'ai décidé de le suivre. J'ai couru d'un champ. Je le voyais de loin à peine, il s'en allait disparaître. Avec notre grand étonnement, Dubardo s'écrie: je le vois! J'ai jamais vu autant de tirs en si peu de temps. On a raté un peu notre mission parce que le véhicule, comme vous pouvez le voir, il s'est mis à brûler. Un des frogs nous a donné l'information que c'était des knights. Je me suis caché dans un champ, je me suis couché à terre et puis là, j'ai encore vu un intrus. J'ai décidé de le tirer avec Julien. Et puis là, il y a quelqu'un de notre équipe qui s'est écrié: il y en a un autre dans le bois! Et puis là, avec mon œil de lynx, je l'ai retrouvé, j'ai tiré. Probablement que c'est combat log parce que j'ai jamais eu de body à cette place-là. Avec toutes ces émotions-là, on a décidé de bouger parce qu'on avait vu un avion dans les airs qui nous donnait l'impression qu'il scoutait pour les autres. Une fois rendu à Cabanino, on a vu un beau crash-head fumant. Par curiosité, on s'est aventuré peut-être un peu trop proche. Et puis là, ça s'est mis à tirer sur moi. Je vais monter sur la île. Starry, c'est l'endroit où je suis le mieux. Rendu en haut, j'avais dans l'idée de descendre vers le nord, tranquillement dans les arbres. Mauvaise idée. Je remonte tout de suite en haut. Mais c'est encore pire! J'ai jamais entendu de ma vie! Oh! Avec une jambe cassée, il y avait juste comme option de me glisser sur le côté. J'ai descendu la côte, je me suis caché dans un arbre, je me suis réparé la jambe, j'ai tué un mouton, j'ai campé avec Jules, je suis retourné à Cabanino,
Et puis là, j'ai entendu un youage. J'ai enfilé mon DMR. J'ai visé, j'ai tué. J'ai pris le Yuaz. J'étais allé chercher du bateau. Et on s'est aventuré encore plus vers le nord. J'ai dit à du bateau, c'est fini. Je pense que la vie est si courte. Dans quelques instants, nous serons à Tcherno. On a fait une mauvaise rencontre. J'ai foncé, j'ai sorti. Et j'ai fait exprimer mes armes.